C'était un contexte difficile, comme tous ces 32e de finale, quand on joue contre des équipes de l'échelon inférieur. Évidemment, une grande motivation en face, un contexte qui leur est favorable. Et ils en ont profité. Il faut rendre hommage à l'équipe de Cholet, à son entraîneur Richard Désiré, qui a fait jouer son équipe d'une fort belle manière. C'est les matchs de Coupe de France qui sont compliqués face à voilà, une équipe qui a fait un bon match, qui est venue nous chercher, qui nous a mis en danger. Après, voilà, c'est la qualification qui est importante. On a eu un début de match très poussif où on était loin les uns des autres, loin du ballon. Ça a été un peu mieux en deuxième période. Mais après avoir mené au score, je pensais qu'on allait pouvoir profiter des espaces qu'on allait nous proposer. Malheureusement, on n'en a pas très bien profité pour aggraver le score. Et en fin de match, évidemment que Cholet a énormément poussé et qu'on aurait pu encaisser un but. C'était un match très compliqué, extérieur, avec l'adversaire qui a bien battu avec nous. Pour moi, c'était la bataille. Mais à la fin, c'est victoire qui compte, donc on prend la victoire et on revient chez nous et on s'est qualifié. On le voit hein, avec d'autres équipes de Ligue 1 qui ont aussi beaucoup souffert. Certaines ont été éliminées, d'autres ont beaucoup, beaucoup souffert. Il faut chercher à se qualifier, c'est ce qu'on a fait, mais il ne reste pas moins que dans le contenu, c'était moyen, mais comment dirais-je ? On est passé par la petite porte, il y en a qui sont passés à la trappe et nous on est passé par la petite porte. Et il faudra le retenir et on va attendre avec plaisir le tirage pour les 16e de finale. C'est bien démarqué mon début ici, que j'ai entendu un peu du temps, mais c'était plus. En plus avec la victoire aussi, avec clean sheet, donc ça c'est très important pour moi. Comme tu as dit, donc, les minutes, ça compte pour moi aussi. Donc, chaque match, c'est l'occasion pour moi pour me montrer. Il faut qu'on enchaîne maintenant sur le match face à Lens. Et, voilà, on sait qu'il faut qu'on retrouve le chemin de la victoire à domicile et j'espère que c'est ce qu'on va faire.